C'est à papa. Mais c'est... c'est le lit de papa. Mais tu vas me rendre mon lit? C'est mon lit, regarde. C'est mon lit de papa. Mais qu'est-ce que tu fais? T'en veux? Bah écoute, vas-y. Mmh. Elle va pas me laisser boire, bordel. Vas-y, explique, maman. Alors, on a reçu un cadeau. Un cadeau pour... Liliana. Enfin, un cadeau. Un cadeau... Hashtag partenariat. C'est un partenariat. Et... Bah, on l'a reçu. Le carton, il est grand. Hein, je croyais que ça allait être un truc à monter, mais en fait, non. C'est plié dedans. Vas-y, dis-nous en plus sur ce que c'est. Donc en fait, c'est la marque Meou Baby. Meou. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ils font des piscines à balles, en fait, tout simplement. Oh là 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 là. Oh là là, le truc de ouf qui est sorti. Oh. Là, elle est belle, hein. Donc, wow. Ça, c'est... Donc, c'est maman qui a choisi. Moi, j'ai choisi la couleur. Moi, j'ai choisi la couleur. Extérieur. C'est toi qui m'as montré, j'ai dit je prépare la verre pour sa chambre. Non. Non, moi je me souviens de ça. J'ai tout choisi. Non. Alors, elle va. Dure une grosse baignoire en mousse. Elle est ronde, mais forcément. Non, mais c'est pas grave, elle va dire une grosse baignoire. Avec le carton, voilà. Et là, en tout, il y a 200 balles. Comment elle a l'air intriguée par ce que tu. Ouais. Elle voit les balles. Mais non. Mais c'est pour moi, ça, maman. C'est pour qui, ça? C'est pour qui, ça, mon bébé? Moi, je propose qu'on la mette dans la piscine et qu'on verse toutes les balles sur elle. Ouais. Ah, voilà. On a déjà refourgué le bébé dans la petite piscine à balles. Ah ben, là t'es trop grande. Hein. Tu commences à être trop grande déjà. Mais quand tu seras un petit peu plus, on va dire, assise et tout, ça sera idéal, ça sera parfait. Ben oui, ça sera parfait. Elle a l'air de bien aimer, par l'instant, ça va. Je sens qu'on va retirer les balles de temps en temps. Et tu vas claquer des siestes là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est trop bien. Ça a l'air moelleux, toi. Ouais. Donc, je viens de lire le truc et ils disent bien qu'il faut 48 heures pour que la piscine elle reprenne. Elle redevienne ronde. T'aimes bien, mon cœur? Ah, bah, maman, elle a l'air de kiffer. Hein. Bon, on a mis le bébé dans la piscine et franchement, elle s'amuse et tout. Nous, on se marre parce que des fois elle tombe et puis d'un seul coup on la voit plus. Mais si, ramène la boule, donne à papa. Donne à papa. Mais si. Mais si, donne à papa. On est en train de perdre le bébé. Oh putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Coucou. Oh putain, j'en fais plus. Bah alors, bon. Regarde comment elle bouge ses jambes et tout. Ouais. On dirait qu'elle fait un petit bas à remous. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Je me doutais, hein. Oh la grande fille qui se nourrit toute seule. Waouh. Le grand bébé. Ouna nena. Ouna nena. Ouna nena. Ouna nena.
little madame. Oui, oh non, non, c'est. Ouh, non, 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 c'est. You, non, 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 non. Doulami. Elle est bien quand je reprenne son visage. Doulami. 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 Yo, le nocé. Aïe, 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 le nocé. C'est ça? Yo, le nocé. Yo, le nocé. C'est qui le bébé tout nu? C'est qui le bébé tout nu? On va dans le bain? On va dans le bain? On va dans le bain? Allez, on y va! Oh, je viens de me prendre une tarte. On va dans le bain? C'est quoi cette comédie? Ah, allez, on y va. C'est toi, mon cœur, que tu regardes? Tu te regardes en train de rigoler? Oui. Allez, on va dans le bain. Photo, on fait une petite séance photo, papa. Oui, mon amour. On fait une petite séance photo, un petit shooting. On dit fou rire, ouais. Oh non, fou rire, oui. Attention, je te regarde plus, je te regarde. Ça y est, c'est plus le même rire que quand. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il te fait rire. Arrête de manger tes chaussettes. Arrête de manger tes chaussettes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où je me cache? Qu'est-ce que tu fais, papa? Ça y est, tu rigoles plus? Ah, tu as Missy qui fait des léchus en même temps. Missy, c'est toi? Bah oui, mais maman, elle fait des bisous, Missy. On refait? Attention! Ah!
moi je peux en avoir un bout quoi. Et moi je peux en avoir un bout de ce bébé. Comment ça marche? Comment ça marche? Est-ce qu'on coupe des petits bouts comme ça? Est-ce qu'on prend des petits bouts et on les mange? On a mis un petit miroir au bébé, du coup il se regarde dans le miroir. Bonjour papa. C'est le petit jouet. Il y a une photo à prendre là. C'est qui le bébé tout nu? C'est qui le bébé? Ça te fait rire de voir un bébé tout nu? Genre le biberon est vide, attention. T'as pas lâché, hein? C'est fini. T'as tout bu. Beaucoup, 210. On va aller faire une petite course. Oui, on va aller se balader un petit peu, on va faire une petite course Walker. Hein. Il n'est pas trop tard, comme ça il n'y a pas beaucoup de monde dans les magasins et on est tranquille. Avec le Covid, au moins on croise le moins de monde possible. Tu verras ça plus tard. Tu verras cette vidéo, j'espère que ça sera passé depuis des années. Hein. C'est un truc de ouf, papa, vous êtes sortis, mais vous êtes des fous. Je dirais oui, désolé mon cœur, mais on était obligé. T'as quoi? Ah bah bravo. On est à V2. Fait plaisir. C'est au Starbucks. Ça faisait longtemps. Hein. C'est pris un caramel macchiato et moi un chocolat. Pas un mois. Plus hein. Plus d'un mois mon cœur. La première fois qu'on est venu c'est quand j'ai bu le jus vert. Je sais pas. C'est Manon et Jean-Philippe qui passent par cette vidéo. Dites-nous, c'était quand? Je sais plus. Ouais, mi-septembre. Peut-être. Oui, parce qu'il venait à la maison. Bah oui, il venait à la maison du soir. Ouais. Alors, on va expliquer. J'ai tendu ma cuillère avec mon yaourt. Et madame, elle s'est précipitée. Et elle a mis un coup de boule dans la cuillère. Et maintenant, elle est contente. Oh là 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 là. En vrai, j'aime pas quand on frotte mon nez en bas. Mais là. Elle est cool, putain. Tu m'as tué, mon cœur. T'as mis un coup de boule dans la cuillère, bam, comme ça. Hey, je passe dans les branches. J'étais chercher du pain à la boulangerie. Et je suis trop content parce que je viens de voir que JujuFitCat m'a republié dans sa story. Et je suis content parce que je les aime vraiment beaucoup, Juju et Thibaut. Et il y a Liliana dans la story et ça me fait kiffer. Voilà, je voulais dire ça.
Ah, vas-y, mon cœur, continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? À 5h30, madame, elle était en train de râler dans son lit, de rigoler un peu aussi, mais surtout de râler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé, on a pris un biberon, parce qu'on avait faim quand même. Et à 7h, plus de son, plus d'image. Capoute. Elle a redormi 1 heure, chose qui n'arrive jamais. Enfin, 1 heure, c'est très long pour elle. Oui, tu fais jamais des gros dodo. Mais du coup, elle était ronche. Bah oui, parce que c'était bizarre comme nuit. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette position? Donc ce matin, je lui ai mis un petit... Bah, en fait, c'était une petite marinière bleue avec un pantalon bleu en moutmout. Sauf que finalement, il faisait pas si froid que ça. Et que le pantalon était trop grand, donc ça m'a saoulée. Et aussi qu'elle avait mis de la carotte sur son t-shirt. Parce que malgré les grands bavoirs comme ça, là... j'ai su en foutre partout. Donc, on l'a changé. On l'a mis en petite robe. J'avais mis des collants. Sauf que finalement, je pense que ça l'a saoulée. Ou elle avait trop chaud en collant. Ou que sais-je. Parce que je vous dis, il fait pas si froid que ça. Tout à l'heure, il faisait 22 dans la maison. Sachant qu'on a toujours pas mis le chauffage. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, ben, j'ai enlevé ses collants avant qu'on prenne le petit déjeuner, j'allais dire. Avant qu'on prenne le goûter. Et donc, au moment où je commençais à filmer, elle s'agitait dans tous les sens. Parce que c'est vraiment son nouveau jeu. J'ai l'impression qu'elle se fait elle-même des challenges. Un jour, elle va décoller, on va rien comprendre. Et du coup, au goûter, c'était compote pomme-poire. Une de ses préférées. Et le yaourt, j'ai pris nature. Parce qu'elle adore les yaourts aussi. Mais ses préférées, c'est poire et banane. Comme les pommes bananes en compote, c'est ses préférés aussi. Et j'avais juste mis le bavoir comme ça, parce qu'elle est en train de boire de l'eau, et tout à l'heure, elle s'en était foutue partout. Donc c'est la petite robe, si jamais vous n'avez pas vu les anciens vlogs, avec des strass, mais elle est un peu grande au niveau des bras, donc j'ai juste replié les manches. Les petits cœurs sont sur ça, et sur les coudes, mais on peut remarquer, bah, comme c'est trop grand, ça tourne dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on aime bien les mignonnes. Ça y est, c'est reparti. Du coup, elle a quand même refait une sieste tout à l'heure après manger. Pareil, elle a dû dormir 1 heure, je pense. J'ai pas vraiment fait attention au temps. Mais c'est exceptionnel, hein, parce que nous, d'habitude, les siestes, c'était grand max 30 minutes. Ses chaussettes, bah voilà, elle va réussir à l'enlever du coup. Je fais que ça depuis ce matin, de les lui remettre. Allez. Oh, tu fais semblant. Ça y est, elle percute qu'il y a des trucs sur... qu'il y a des trucs brillants sur sa robe. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de juste mettre le tapis, j'ai mis... Bah vas-y, pète, hein. Donc j'ai dit, on va faire comme ça. Donc au lieu de juste mettre le tapis de couleur, j'ai aussi mis son tapis avec son arche. Comme ça, elle a pu jouer dans le calme, quand elle n'était pas fatiguée. Mais elle en avait vite marre. En fait, depuis ce matin, du coup, comme elle est ronchon, il n'y a rien qui va. Là, on est content parce qu'on a le bidon rempli. On a mangé. Oui, tu peux enlever ta chaussette. Vas-y. J'ai dit l'enlever, pas la manger. Et voilà. Ça y est. Oui, c'est la chaussette que t'as enlevée. Et on m'a déjà dit dans les commentaires qu'il fallait faire attention parce que son oreille, elle se plie et tout ça. Mais vous voyez comment elle bouge tous les secondes. Ben en fait, c'est ça. On peut lui remettre 48 fois par minute. Donc, dès qu'on voit qu'elle se... Enfin, qu'elle se calme un peu, on lui remet bien. Mais dans tous les cas, elle fait toujours ça avec son oreille. Alors moi ça présage rien de bon quand je viens changer ton cul et qu'au moment où je fais ça j'entends pfff, comme ça. Je fais quoi? Je déballe ou je déballe pas? Si c'est pour que tu me chies dessus. Ah ouais mais non, papa il sait plus quoi faire là. Du coup il est perdu papa. T'enlèves tes chaussettes toutes seules. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et voilà. On met là, vas-y.
Ouais, c'est bien mon cœur, t'as les petites chaussettes. T'as les petites chaussettes. Est-ce que je peux changer ta couche au lieu d'être intrigué par mon téléphone là? T'étais intrigué par le téléphone à papa qui est juste là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Allez, on change la couche. Ah, oh, ça pue! Mais c'est pas un pied comestible. C'est pas un pied. Oh, t'as raison. Mange, vas-y, vas-y, mange, t'as raison. Il est délicieux celui-là. Vas-y. Allô, oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du pied? Est-ce que vous m'entendez? Ici? Ici, je sais pas, j'allais dire un truc genre 1945, mais j'arrive pas à connaître. Alors, ici, les télécoms du Nord. Oh, tchou, tu m'as mis un coup dans le nez. Allez, on change le cul. On change le cul. On fait le con. Oh mon dieu! Un bidou! Ceci est un bidou! Ceci est un petit bidou. Est-ce que c'est un petit bidou comestible? Nous allons le goûter. Oh, très bon bidou. Poupou bidou. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Attention, on est parti. Ça pue. Ma femme, elle a laissé les lingettes pour nettoyer les chiottes et tout. Papa, il a failli t'essuyer la foufoune avec ça. T'aurais senti le citron, 99% des bactéries éliminées. Pip, 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 pip. Papa, je sais pas pourquoi il fait le téléphone avec tes pieds. Oh non, mais si tu lèves tes fesses quand tu tires la couche. T'as tout ruiné mes efforts. Putain, toujours tu bouges tes pieds quand je mets tes chaussettes. Tire la robe et c'est fini. Et c'est fini. Est-ce que tu veux dire un bonjour à tout le monde sur le ventre? Ça faisait longtemps. Bonjour. Attention, on fait mission impossible. Service après-vente des émissions. Et là, boum, tu m'appelles. Tu regardes quoi? C'est le paquet de lingettes que tu veux. T'es sérieuse? Il est plein celui-là. Madame, du moment que ça fait du bruit, ça fait ça. Elle est intéressée. Allez, on repart en mission impossible. Papa, il t'a pris comme un petit pack d'eau. Ça va, va. Du coup, nous, on peut jouer pendant que elle est en train de se nourrir. C'est bien, mon cœur va pas aller faire de toi. Ah bah oui, il fallait que j'en parle pour que tu lâches le doudou. Va chercher ton doudou. Fallait que j'en parle pour que tu lâches ton bibi. Ah bah oui, ça y est. Donne le doudou au papa. Ah bon, maman? C'est beau les chaussettes? C'est beau les chaussettes? Tu passes tes journées comme ça? Oui. Et après, on s'étonne que t'as les pieds froids, mais si tes chaussettes elles sont mouillées et qu'on les remet à tes pieds bien, pas forcément. Allez, on va t'habiller. Allez, deuxième chaussette. Et si maman l'enlève aussi? Tu fais quoi? Tu vas manger tes pieds? Ah non, maintenant c'est la couette. Non mais... Bon, je voulais poser le téléphone, mais en fait ça va pas. C'est qui? C'est qui là?
Elle adore s'en regarder dans le miroir. Ça, c'est parce que t'es belle. Ah oui. Bon, là, tu regardes le téléphone, en fait. Elle le tient fort, hein. Je vous assure que là, le miroir, il peut pas s'envoler. Hein. Est-ce qu'on regarderait pas si t'as des dents? Est-ce que t'as des dents? Tu montres? D'habitude, elle se laisse faire, mais là, forcément... Est-ce qu'il y a des dents? Tu montres? Ben non, il n'y a pas de dents. Mais t'es sur la caméra, là, bébé. Tu peux enlever ton doigt? Enlève ton doigt. Bon bah je crois qu'elle veut pas que vous la voyez. Bonjour la team Popo. Non bah non. Et t'as de la force en plus hein. Oula ça... C'est flou. Ah voilà. On est en vadrouille, mais on sait pas si on doit la sortir cette gamine, regardez. Ouvre la porte maman. Elle claque sa meilleure sieste le moment. On fait quoi, on la regarde pendant des heures, pendant qu'elle se réveille. Oh elle est belle, regardez-moi ça. So without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais de la gym? Tu fais des étirements? Ouais. Donc cette nuit, c'était le décalage horaire. Hier, t'as fait dodo, il était 20h20. Comme d'habitude. Et madame, elle s'est réveillée. Ouais. À 7h43. Enfin, 7h43, c'est quand j'ai prise dans son lit. Moi, je sortais de la douche et j'entendais qu'elle faisait... Ah. Du coup, j'ai été la chercher. Donc en fait, ça l'a fait réveiller à l'heure normale. Juste, elle a dormi une heure de plus. Ah oui. Papa, il arrive. En fait, j'ai pour habitude d'enlever son bonnet quand on est en voiture parce que après ça fait trop chaud. Mais là, je me suis dit, bon, on est à 5 minutes de la maison, je vais lui laisser, c'est pas grave. Et en fait, on galère à trouver une place. Et Chris, il dit, c'est pas grave, de toute façon, elle dort, on n'est pas à 2 minutes près pour sortir. Ok. On sort de la voiture et forcément, je comprends pourquoi elle adore, parce que la lumière elle est éteinte. On va lever son bonnet. Non, mais du coup. Mon petit bébé. Du coup, je suis endormie. Elle ronfle et tout. Oui. Viens, on la laisse là, on va la reprendre demain matin. Elle fait sa nuit, petit bébé. Oh petit amour, elle est trop belle. Bah dépêche-toi d'avoir froid. T'as fini ton biberon. Et du coup maintenant on est obligé de lui laisser son biberon. Elle a mangé toute seule comme une grande madame. Bah oui, j'ai pas eu besoin de le tenir, tu l'as tenu toute seule. Tu te rends compte mon cœur, t'as même pas 6 mois, tu te nourris toute seule. Reste à fond. Il faut aspirer. Faut aspirer. Oui, non, mais la fin comme ça, faut aspirer. C'est dégueulasse. Il fait la trompette, mais toi je vais te mettre un instrument de musique. Oh, tombé.